Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo création. Je vais tout simplement créer mon pont. Je voulais aussi vous remercier pour la toute dernière vidéo. On est déjà à plus de 3000 vues. Vraiment, merci à tous. Bref, je vous laisse juste après l'intro. C'est parti. Alors voilà, donc là on va commencer la création de mon champ. Donc en guise de guide, on va dire, j'ai pris ça. Hop, donc ma petite presse et puis mon tracteur. Donc du coup j'ai déjà fait les traits, hop, qui sont juste là. Hop, hop. Je vais couper ça à la scie. Bon bah voilà, je viens de découper à l'instant. Impeccable. Là du coup il faudrait que je fasse les côtés. Donc les côtés ils seront assez grands parce que tout simplement il faudra que je fasse une petite voûte. Pour laisser tout simplement le cours d'eau. Et il faudra que je fasse en pic, tac, comme ça, une sorte de petit pic. Et puis là, je vais prendre ma lime, et puis je vais limer, histoire d'avoir un arc de cercle, un petit peu une voûte. Bon, alors voilà. La partie route du pont a été faite. Ça n'a pas été si dur, mais bon, il y a quand même un peu de technique. Hop, voilà ce que ça donne. Là, j'ai mangé les bords. Bon, bah ça, c'est pas grave. Au moins, on pourra dire que le chemin il sera pas trop propre, il sera défectueux, mais voilà ce que ça donne, impeccable. Du coup, ici, j'ai mon premier côté qui sera juste là, que va falloir que du coup je recoupe parce que hop, c'est pas du coup à l'échelle et il faudra que je fasse hop un petit triangle comme ça en plein milieu justement de l'arc de cercle. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ça, ce sera impeccable. Ensuite, je ferai bien sûr un petit peu de peinture, un petit peu de gravure dessus, dans le style caillou. Et pff, il sera trop bien. Et j'ai une autre idée aussi. C'est comme là, le bord, il est tout plat. Je pense que comme bah, l'eau va partir d'en dessous, hop, je vais faire un petit arc de cercle aussi en bas. Je pense que ça ferait bien plus réaliste en essayant de pas casser non plus la plaque. Bon alors, je viens de finir la première partie. Du mur, voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas trop mal. Hop, ça se place là. Je l'ai pas coupé du coup parce que je me suis dit que ça fait bien plus joli. Voilà. Bon, allez, reste plus qu'à faire la deuxième partie. En gros, ce que je fais pour faire une sorte de mur, du coup, bah, je coupe, tac, je fais un rectangle, je coupe à la scie. Ensuite, je prends le milieu du rectangle que je viens couper, tac, pour faire une sorte de triangle au début. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends la même voûte qu'il y a sur la route. Et j'essaie de l'améliorer. Là, ici, il faut que je la finisse parce que là, c'est juste vite fait. Bon, impeccable. Donc, l'eau, elle passe juste là. Nickel. Oh, je suis trop content, c'est super. Surtout qu'après, bientôt, il va falloir que je commence à faire la sorte de petit cours d'eau. Oh, je suis trop content. Bon, bah, c'est reparti. On va faire comme le mur. On est parti pour du modélisme. Bon alors là c'est pareil que pour le mur. Là j'ai fait les petites pierres. Et hop, du coup je creuse, tac tac. En fait je vais faire pareil, sauf que forcément je vais changer de couleur. Hop. Non, ça va être bien. Je vous mets un petit accéléré. Bon bah voilà ce que ça donne pour l'instant. En vrai, c'est pas mal. Oh, je suis trop content. J'adore. Mais ça va être comme le mur en fait. Ça va être super long. J'ai tous les côtés à faire. Allez, je me remets au boulot. Bon bah je viens de finir la première partie. Voilà. Pas mal. Avec le dessus qui est déjà fait. Enfin, que je modifie bien sûr. Je passe de l'autre côté. Et au moins celle-là, elle sera déjà faite. Bon bah voilà. Ça c'est fini. Oh je suis trop content. Par contre c'est très 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 long. J'ai même fait le dessous juste là. Comme ça quand on regarde,
On pourra bien voir les pierres. Bon bah, il me reste encore lui. Ça y est, je viens tout juste de finir les deux. Je suis mort, crevé, mais je suis trop content du résultat. Vraiment pas mal. Pour une première fois, c'est déjà bien. Bon, ce soir, je vais faire un live Insta où je vais tester, pareil comme le mur, je vais tester quelques couleurs. Et demain, je vous reprends et puis je fais ça en vrai. Je vais essayer de mettre aussi de la végétation comme on m'a pas mal parlé sur Instagram. Bon allez, à demain. Bon bah les gars, malheureusement, j'ai eu un petit souci au niveau de l'aérographe. Et donc, du coup, j'aurai pas le temps de malheureusement le peindre pour samedi. Je suis vraiment désolé, je vous fais ça pour la vidéo de la semaine prochaine. Mais vraiment, je suis désolé. Au moins, vous pouvez voir l'avancée aussi. Avec mon père, elle a ramené une fraise. Et donc, du coup, hop, on a pu creuser. Il va juste falloir que je refasse un petit peu les bords. Histoire de les adoucir. Mais je suis trop content. Sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est en description. Mais sur Instagram, vous avez tous été... Mais très content et tout, je suis super content. Bref, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.